Je suis heureux de me trouver avec Frédéric Mazella, qui est, vous le savez, un exemple typique et magnifique de la réussite entrepreneuriale d'une start-up, car il a trouvé un produit innovant et qui n'était pas facile à trouver, et il a su en plus la développer par une croissance acharnée et assidue. J'avais lancé la création d'entreprise il y a très longtemps, en 1970, par un livre « Les hommes en gris ». Je pensais que ça allait révolutionner la planète, il n'en a rien été. On a stagné à 200 000 créations d'entreprises pendant l'année et pendant très longtemps. Et il a fallu attendre les années 2000-2003 pour qu'on passe à l'étiage de 300 000. J'ai écrit plus récemment un livre sur la double révolution. Nous avons gagné la première révolution du nombre d'entreprises créées, mais nous n'avons pas encore totalement gagné la seconde révolution de la croissance de l'entreprise une fois créée. Il y a un théorème amusant, c'est que le taux de croissance d'une nouvelle entreprise est fonction du taux d'instruction du créateur. Et voilà pourquoi Frédéric Mazella, qui est, vous le savez, qui sort de normal supérieur et qui a des diplômes tout à fait prestigieux, n'a pas hésité à repartir à zéro et il a assuré une croissance tout à fait exemplaire. Il est en somme le prototype de notre adage « Start, c'est bien, hop, c'est mieux ». Donc l'histoire, si on la reprend de manière un petit peu personnelle, alors bon, j'ai fait effectivement beaucoup d'études parce qu'en fait, je me suis rendu compte, mon moteur, c'était d'apprendre. J'adore apprendre, en fait, c'est ça qui me motive chaque matin, d'apprendre des choses nouvelles. Et donc en fait, c'est pour ça que je suis allé faire beaucoup d'études. Donc je suis allé faire des études de physique, de maths, d'informatique, de piano, de violon, enfin de musique. Et à chaque fois, j'étais évidemment attiré par les endroits où bien les personnes qui enseignent ces choses-là sont réputées de meilleur niveau. Donc c'est pour ça que je suis allé. Bon, j'ai commencé par Henri IV pour faire mes maths sup, maths spé. Ensuite, j'ai fait normal sup en physique. J'ai fait de l'informatique à Stanford en Californie parce que c'était un peu l'endroit où justement l'informatique était très bien enseignée. Voilà, ensuite j'avais fait le conservatoire de Paris en piano. Et ensuite je suis allé à l'INSEAD parce que je voulais apprendre un petit peu à créer justement une société, enfin un petit peu tout le côté business. Et donc voilà, donc tout ça, ça m'a fait un bagage assez pertinent en fait ensuite pour pouvoir justement créer une société. Je ne m'y attendais pas forcément, mais bon, l'idée m'est tombée dessus puisque je devais rentrer en Vendée à Noël une fois. Et puis je m'y suis pris un petit peu tard pour réserver mes billets de train, donc tout était complet. C'est ma petite sœur qui habitait Rouen qui est passée me chercher à Paris, qui m'a emmené en Vendée. Et sur la route, je me suis rendu compte qu'on voyait les trains plein passé sur l'autoroute et on voyait toutes les voitures vides. Et là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. Il y avait des milliers de personnes qui allaient en Vendée et donc il suffit de mettre un système dans lequel les conducteurs et les passagers peuvent se retrouver. Et voilà, donc ensuite, une fois que j'ai eu cette idée-là, j'ai voulu la développer et c'est là que je me suis rendu compte que le fait d'avoir étudié toutes ces choses-là, qui étaient un petit peu complémentaires, eh bien, me permettait justement de rebondir dans pas mal de situations. Et faisait que eh bien, j'utilisais tout ce que j'avais appris, en fait, beaucoup plus que dans des métiers qui auraient été plus des métiers d'experts. Parce que quand on est entrepreneur, il faut tout faire, de créer le produit à aller chercher des locaux, négocier des contrats, communiquer, parfois développer, faire de la vente, tout ce qu'il y a à faire, il faut le faire. Il faut recruter aussi beaucoup. Il faut aussi s'entourer. Alors je me suis assez rapidement entouré avec des bonnes personnes. J'ai commencé à coder la première version. Alors j'avais cette chance d'avoir appris l'informatique à Stanford et de pouvoir justement développer une première version du service. Donc j'ai commencé à coder avec un ami qui s'appelait Damien. Ensuite j'ai rencontré Francis qui a repris, alors qui lui était vraiment un expert de la construction de plateformes technologiques, donc quelqu'un de très très fort techniquement, qui a pu justement prendre le projet et puis l'emmener à l'étape d'après et vraiment faire grandir l'architecture technologique. Ensuite j'ai rencontré aussi Nicolas à l'INSEAD justement, qui lui est venu apporter la dimension développement international, financement, marketing. Et voilà, donc à nous trois, on a réussi à faire grandir cette équipe qui aujourd'hui fait 500 personnes. On est dans 22 pays, on a une communauté de 40 millions de membres et puis on a 35 nationalités dans les locaux, donc c'est assez fabuleux. Donc ce que j'ai retenu, c'est que les études permettent d'affronter beaucoup, beaucoup de situations différentes puisqu'on apprend plein de choses complémentaires. Créer une entreprise, c'est le meilleur moyen de continuer à apprendre énormément. C'est aussi un très bon moyen d'utiliser tout ce qu'on a appris.
Et puis c'est aussi beaucoup de joie, beaucoup de motivation chaque jour, parce qu'on a l'impression de construire le futur. Et donc je pense que s'il y a un message à faire passer, c'est que justement, quand on fait des grandes études, c'est pour faire des grandes choses. Et donc j'espère bien que la génération des gens qui nous regardent auront l'envie d'aller créer les sociétés de demain.